m'a trouvé une solution. Parce qu'elle avait un problème. Vous connaissez mon attirance pour Benzora, il vient tout juste descendre l'avion là. Vous veut dire le syndrome de la soumission colonialisme? Bref, m'a dit à moi qu'effectivement, sortir avec un Zora, il est compliqué. Ah, parce qu'on a plusieurs niveaux de difficulté en fonction de la race. Non, mais au début, il est facile. Il vient de débarquer à la Réunion, il connaît pas rien, il est amusant, il explique à lui toutes quelles étaient ses affaires. Tu vois, ça s'appelle un bringel. Oui, c'est plus gros que les aubergines en hexagone. Ou sent un ou utile dans la relation, ou explique à lui les particularités de la Réunion, comment mange dans le feuille banane, par exemple. Par où je suis ben dans la croisée. Fait manger à lui un vrai pain américain Saint-Pierre. Et après, il accroche. Et c'est pas ça que tu veux? Sur le court terme, oui, mais sur le long terme, il va finir par fatiguer à moins. Ou imagine, obligé passe tout mon ban de vacances dans le pays d'Afrique avec son ban de famille. Ou touche pas la continuité territoriale. Son maman qui va juger à moi parce qu'il n'est pas assez bien pour son garçon. Son papa qui est sûr d'un comportement de vieux raciste colonisateur. Ah, la belle famille, ça doit être quelque chose, hein. S'il a fait 10 000 km pour Nutella là, c'est que lui t'es fui en affaire. Et même Lisa, tu penses pas comme nous, mais il sera fatigué, explique-lui tout le ban de croyance que nous nana, comment comporte-t-elle correctement dans mon famille, tout ban de commérage que nana dans la famille. C'est vrai qu'il est compliqué d'expliquer à un esprit cartésien que ma tante Monique qui cause plus avec ma tante Marlène à cause d'un caloupilé dans le carré. Bref, la vie avec un Zora est trop compliquée, il comprendra moi jamais totalement. Et du coup, c'est quoi de solution? Un yab. Yab. Ben oui, un yab sous cherche bien, il ressemble à un oreille, sauf qu'il connaît déjà la Réunion et qu'il n'a pas besoin de tourner la langue pour causer lui. M'y connaît, faut m'y appeler la licra, mais m'y connaît pas s'il est raciste envers Ben Yab ou envers Ben Zoreille, qu'on se raconte. Mais il va mettre déjà sur son tracteur ou bien en train de nourrir son Ben animaux. On a conscience que pas tout yab est issu d'un milieu agricole. Il faut vraiment qu'on fasse un travail dessus pour sortir de ce stéréotype de la préférence raciale, hein, parce que c'est clairement raciste. Ou mettre à moi avec un gars pour que ça lui représente, on peut pas limiter à moi une couleur de peau, ce serait vraiment très superficiel. Ah, la cause avec mon maman, non? Pourquoi? Il fait 2 mois qu'il veut absolument présenter à moi un jeune marmaille qui fréquente le même chapelle que lui. C'est pour ça que t'es roi des oreilles? Pour pas finir avec le malbar que ton maman la trouve pour? Mariage arrangé n'est plus la mode. Non mais imagine là un mariage Bollywood. Il est quand même plus tentant qu'un mariage d'oreilles champêtre avec du Michel Sardou, les lacs du Connemara et des démons de minuit en fond sonore. On a effectivement un bon argument. En plus, un linge Bollywood irait à moi tellement bien.